Eh bien, bonsoir à tous. On est en direct. Vous êtes bien au Club Power BI, l'émission, troisième année, je ne sais pas combien d'épisodes. En tout cas, vous connaissez le principe. Cette émission, elle est consacrée aux nouveautés du produit Power BI. Je suis accompagné de mes fidèles co-animateurs qui sont Guillaume Godefroy en haut et Tristan Malherbe en bas. Tous les mois, on vous commente l'actualité, on décrypte, on essaie de savoir quel impact vont avoir les nouveautés du produit Power BI sur votre quotidien. Vous avez peut-être pu voir sur les réseaux sociaux qu'on avait nommé cet épisode spécial Fabric Conf. On va bien parler de Power BI, on est bien le club en jaune ici. C'est juste qu'il y a une grosse conférence dans laquelle il y a du Power BI, donc on va essayer de décrypter les annonces. Et moi, je vous propose qu'on aille direct vers notre séquence, qui est la grosse news. Moi, je veux bien le jingle, la grosse news. Petit lapsus. Alors, moi, j'ai bien une grosse news, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Guillaume, je te laisse nous présenter finalement ce qui a retenu notre ascension et on était impatients de vous en parler. Il y a une belle annonce qui a été faite, qui est demandée depuis un bouton, en tout cas attendu, c'est cette notion de folder, de dossier dans un workspace. Vous savez, maintenant que vous connaissez Power BI depuis de nombreuses années, bientôt une décennie, qu'au début, bon, on a peut-être un, deux, trois rapports, deux, trois datasets dans un workspace et puis au fil du temps, rapidement, ça croît, ça commence à déborder potentiellement, il devient difficile de s'y retrouver. Très simplement, à l'image de ce qu'on peut faire dans un dossier Windows, eh bien, on va pouvoir maintenant, j'ai presque envie de dire enfin, mais on va pouvoir enfin mettre un dossier et des sous-dossiers. Alors, deux, trois petites limites. On peut mettre autant de dossiers qu'on veut dans un workspace, mais on aura maximum 10 niveaux. Alors déjà, pour aller à 10 niveaux, c'est énorme. Bon, il y a cette petite limite, c'est juste une anecdote. On pourra donc mettre des dossiers. Ce n'est pas encore disponible sur vos tenantes. Ça ne serait tardé, ça a été annoncé. C'est peut-être une question d'heure, de jour, mais ça, je pense que pour la semaine prochaine, on devrait avoir des premières choses arrivées. On va pouvoir les créer, ranger, on pourra mettre ce qu'on veut. C'est dans Fabric, c'est donc forcément dans Power BI, mais c'est aussi tous les éléments de Fabric. Ce n'est pas que un dataset ou un rapport, c'est aussi tous les autres éléments qu'on va pouvoir avoir. C'est assez canon. Il y aura une limitation pour le moment. On ne pourra pas mettre du data gen 2. Pour le moment, ce n'est pas supporté dans le dossier. C'est une petite limitation qui apparemment va être corrigée. Mais tout le reste pourra être classé. Et a priori, si on regarde bien JP et Tristan, a priori, on a aussi cette notion de tag. On va faire un peu à l'image d'une équipe Teams, en fait. On va pouvoir aussi avoir des choses, on va pouvoir faire des... Alors ça, c'est plutôt dans le suite après, mais on va pouvoir faire des mots-clés, etc. Je pense qu'en termes d'orga, ça va être assez canon. Donc voilà, c'était la belle news. Et conjointement à ça, JP, oui, dis-moi. Non, je voulais juste... présente-nous-le, alors on aurait adoré. On va vous présenter maintenant. En fait, on n'a pas vraiment de démo parce que ce n'est pas dispo, mais je vais vous le présenter tout de suite. Ici, à l'écran que vous voyez ici, alors je vais essayer de zoomer un petit peu. Vous voyez ici, sur la capture d'écran qui est ici, quand ça sera disponible, vous aurez la partie d'ajouter ce folder, bien évidemment de le renommer, de supprimer et de faire tout ce qu'on en veut. On pourra y classer l'intégralité ou des éléments à l'intérieur en fonction d'une logique que vous aurez, vous, déterminée, opérationnelle ou métier, avec tout ce qu'on pourra faire derrière, la notion de renommée, de pouvoir glisser, de pouvoir faire du drag and drop, de pouvoir deleter s'il est vide, bien évidemment, c'est bien précisé dans la documentation, on pourra le supprimer s'il est vide, sinon on va tout casser à l'intérieur. Et puis, ce petit tableau des droits qui est intéressant, où quels seront les droits dans un folder, si on est visionneur, contributeur, membre, administrateur. C'est plutôt bien défait. J'attends vraiment, hein, je crois que Tristan et JP, on est sur le qui-vive pour voir comment on peut le tester. Ah, ça va pas tarder. C'était pour moi la vraie grosse news du moment. Corrélée quand même, messieurs, si vous me l'accordez, avec les domaines. La notion de sous-domaine, qui est aussi très importante. JP, tu es d'accord avec ça? Ouais, exactement. En fait, déjà pour compléter la news que tu dis, bon, forcément, on l'attendait tous. Hein. Je crois que c'était une des features les plus demandées depuis la création de Power BI, hein, pour le coup. Juste un point sur la sécurité. Là, le tableau que tu as montré, ça montre les droits, enfin, quels droits il faut sur le workspace pour pouvoir manipuler les dossiers. Les dossiers. Par contre, c'est une unité logique. Oui. On ne peut pas dire dans un dossier Martin et Viewer et Martine et Honor et dans un autre dossier, etc. Là, pour le coup, on a ce container logique. Mais en effet, avec l'arsenal des domaines, sous-domaines, dossiers, tags, alors là, on va pouvoir vraiment ranger nos données. Et moi, je voulais juste ajouter, en effet, sur cette sécurité, pour les domaines, il est prévu, c'est une news qui est passée, ce qu'on appelle le delegation control.
on va pouvoir, mais là, c'est pour les rôles admin de tenante. Aujourd'hui, on a l'admin de tenante qui a quand même beaucoup de droits sur les capacités, etc., les premiums et tout. Ben, en fait, on va pouvoir donner dans un domaine des sous-droits, donc d'avoir des sous-admins, je ne sais pas si c'est le bon, si c'est le bon terme. Et ça aussi, c'était très attendu. Donc, on a vraiment une hiérarchisation de nos éléments, ce qui montre bien que le produit est assez, assez mature. Ouais, c'est vraiment une grosse nouveauté. Tout s'accumuler, ça va être waouh, complètement waouh. Absolument. Voilà. Donc voilà la nouveauté du moment qui nous a fait vibrer. Tristan, un commentaire. Moi, j'ai une petite remarque, mais vas-y, si tu as quelque chose. Ouais. Effectivement, c'est une très bonne nouvelle. Et pour moi, ça montre à quel point c'est génial que Power BI soit intégré dans Fabric, parce que c'est une demande qui existait dans la communauté Power BI depuis des années. Et je pense que c'est grâce à l'arrivée de Fabric que ça a été priorisé par Microsoft, parce que en réalité, c'est encore plus le cas avec Fabric d'avoir plein d'éléments dans un workspace, des lakehouse, des warehouse, Dataflow Gen 1, Gen 2. Donc, on avait encore plus ce besoin de hiérarchiser, organiser nos espaces de travail Power BI. Et l'arrivée de Fabric a certainement encouragé Microsoft à prioriser cette feature-là qui va directement profiter aux utilisateurs qui font que du Power BI. Ouais. Et exactement. Et moi la remarque que je voulais faire, c'est étudier qu'il y avait une limitation de 10 niveaux. Je crois aussi qu'il y a une limitation du nombre d'items dans un niveau. Moi, je suis sûr qu'on va trouver des gens qui vont réussir à remplir les 10 niveaux et à remplir les limitations. Il n'y en aura peut-être pas beaucoup, mais il y en aura forcément. Et je voulais, moi, vous poser la question, juste, c'était pas prévu, mais comment vous verriez, vous, le découpage par objet, par domaine, par... Guillaume, toi, tu comme ça là, c'est... Bah, à chaud comme ça, moi je vois toujours un truc. En fait, alors déjà c'est une réponse de ça dépend, parce que ça dépend des droits d'accès. Mais par exemple, je prends un exemple, quelqu'un est contributeur, membre ou administrateur, on va tout mélanger là-dedans, du dataset, du rapport, de tout ce qu'on veut, du dataflow, etc. On peut imaginer deux sortes: une organisation très métier avec des sous-dossiers, des thématiques, et aussi une organisation fonctionnelle où on pourra dire voilà, vous retrouvez vos rapports ici, vos datasets ici, même si on peut le faire avec le filtre. J'entends, mais pour avoir une vision globale, on pourrait déjà segmenter par objet. Et je crois que déjà ça, c'est déjà juste génial. Rien que ça. Même si on pouvait avant le faire par les filtres, hein, mais c'est quand même canon. Et toi, Tristan, tu rangerais comment ton folder, ton workspace ? Je suis en phase avec ce que dit Guillaume. Je pense que j'utiliserai les domaines, les sous-domaines et les workspaces pour avoir une catégorisation un peu fonctionnelle et business des applications, enfin des projets. Ça, on le fait déjà aujourd'hui. Hein. On encourage les clients à structurer les données, enfin à structurer les éléments comme ça. Et puis, à l'intérieur du workspace, effectivement, avoir un découpage de dossiers sous dossiers, peut-être avec les différentes chaînes du projet. Un dossier sur la partie ETL, un dossier sur la partie base de données, un dossier sur la partie modèle, un dossier sur la partie rapport. Voilà, ça pourrait être pas mal. Ouais. Et d'ailleurs, en ligne, hein, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, dites-nous un petit peu déjà, un, si vous aimez cette feature, hein, mettez plein de pouces en l'air pour montrer que vous êtes content. Et deux, si vous avez des idées de rangement... n'hésitez pas. Et j'avais un truc intelligent à dire, mais il est parti. Donc, on va passer à la news suivante. Tristan, toi, tu avais une news qui te plaisait bien, tu voulais nous en parler. Je te laisse. The floor is yours. Ouais, effectivement. Alors, il y a deux choses intéressantes. Donc, là, on vous a parlé d'une news qui est plus sur le portail Power BI / Fabric. Faut pas oublier que Power BI Desktop est toujours là, il existe. Microsoft le fait évoluer. Tous les mois, on continue d'avoir des mises à jour sur Power BI Desktop. Et donc, sur la mise à jour de mars, qui est sortie cette semaine, non, il me semble, hein, elle est sortie quand ? Peut-être lundi ou mardi, la mise à jour de mars. Il y a des nouveautés sur les calculation groups, donc les groupes de calcul, qu'on peut maintenant créer depuis quelques mois dans Power BI Desktop. Avant, c'était que dans Tabular Editor. Globalement, on ne va pas vous faire de démo, mais il y a deux choses à retenir. On va pouvoir mieux gérer les multisélections, les sélections simples, avoir un peu des comportements par défaut et mieux gérer certains cas qu'on aurait eu à gérer par du code avant. Et puis deuxièmement, ça, je ne l'ai pas testé, mais a priori, il y a des améliorations aussi de performance. Hein, c'est ce que tu me disais, Guillaume, quand on a préparé ce meetup. Je ne l'ai pas expérimenté moi-même ou je n'ai pas pu le tester. Mais a priori, ils ont un peu amélioré aussi le moteur, ce qui prouve hein, que quand les choses arrivent en natif dans Power BI Desktop, ben voilà, il y a des choses en plus. Et pour ceux qui pensent que Power BI Desktop est mort, on voit bien que c'est pas le cas.
Oui. Et clair. Puis, on voit surtout aussi qu'ils travaillent beaucoup. Enfin, il y a toujours du travail sur, sur même des fonctions au cœur du produit pour l'améliorer, l'améliorer sans cesse. J'ai retrouvé ma question pour vous deux là. Dans les folders, on met des emojis ou pas? Pourquoi pas? En fait, on s'était fait taper dessus avec Jean-Pierre sur Twitter il y a quelques années parce qu'on avait osé mettre en place au niveau du modèle sémantique qu'on appelait à l'époque jeu de données des emojis. Et les gourous du DAX nous avaient dit non, mais surtout pas, ça va casser l'IntelliSense et puis c'est pas bien. Bon. Autant sur les dossiers, pourquoi pas? Ouais, c'est une metadata, c'est du rangement, c'est fait pour être visuel aussi. Un bon Windows point virgule suffira très bien sans se prendre la tête, ça marche. Nous, on l'a fait en interne dans ma boîte sur Teams. D'ailleurs, je me suis inspiré, Jean-Pierre, de ce que tu avais mis à l'époque quand on était dans une boîte ensemble, où on a utilisé les emojis pour structurer nos équipes Teams, nos canaux. C'est assez visuel et ça s'y prête plutôt pas mal, je trouve. Ouais. Je suis plutôt fan, c'est un caractère comme un autre. Après, si tant est que des outils comme l'IntelliSense sachent chercher dans le contient et pas forcément sur la première lettre où là en effet ça. Ouais, la question sera, mais qu'est-ce que va faire Copilot avec l'emoji? Alors là. C'est pas le sujet. On en reparlera off tous les deux. Me lance pas sur le sujet. Moi j'avais une petite news qui me semblait intéressante. Alors pareil, on est désolé, on aurait voulu vous faire des démos, quoique on aurait presque pu, Tristan aurait presque pu faire une petite démo de ça. Moi je voulais parler, alors il y a une news qui est sortie qui concerne Fabric, mais qui s'appelle le mirroring. L'idée, c'est pas forcément de parler de ça qui est dans Fabric, mais moi je veux revenir, quand on fait du Power BI, on vous a fait pas mal de meet-up par le passé, où on parlait de sources. Alors, petit biais peut-être qu'on a, nous, organisateurs ou en tout cas utilisateurs et fans du produit, des sources comme Snowflake, comme GCP, comme donc BigQuery, si on prend le cloud Google. Et donc, on essayait d'expliquer comment on pouvait optimiser, comment on pouvait faire fonctionner. On a eu des clients qui sont venus, des gens qui sont venus faire des règles sur leur utilisation avec des histoires de « j'ai pas le droit de faire des requêtes parce que ça va consommer, machin, etc. » Et bien, en fait, globalement, dans ce qui arrive, et sans rentrer dans le détail technique du mirroring, mais en tout cas, ce qui arrive, c'est que Microsoft nous donne le moyen de faire sans aucun effort, donc on pourrait dire que c'est un super connecteur, de pouvoir se connecter. Donc les deux annonces, c'est une sur Snowflake avec ce fameux mirroring et une autre sur GCP avec les fameux shortcuts, je ne rentre pas dans le détail, mais globalement, l'idée, c'est de se dire que demain, de plus en plus Microsoft, quand on a un back-end qui n'est pas Microsoft, bah finalement, on peut consommer la donnée de la même façon. Évidemment, mais ça, on pourra vous en parler peut-être dans un prochain meet-up, pourquoi pas aussi au Club Fabric, si c'est un sujet plus Fabric, quid des performances qu'on verra. Tristan, tu nous disais tout à l'heure que tu avais quand même pu jouer, alors pas sur du Snowflake, mais sur du Azure SQL DB. Tes premiers retours là sur cette fonctionnalité? Ouais, bah, la promesse est belle et a priori, elle marche. Enfin, j'ai effectivement utilisé Azure SQL DB comme source de données, et je l'ai mirroré, je ne sais pas ce que ça serait la traduction en français d'ailleurs. Je l'ai envoyé répliqué en miroir. Application, hein. Répliqué, ouais, bien vu, répliqué dans OneLake. Alors ça crée un warehouse, hein, ce n'est pas un lake house, ça crée un warehouse. Ça utilise la technologie Change Data Capture, hein, CDC, et ça marche plutôt bien. On vous fera une démo. J'ai changé des données dans ma base, boum, tout de suite, mon modèle en direct lake côté Fabric avait les données. Alors attention, hein, le diable est toujours dans le détail. Il y a quand même quelques petite chose à vérifier sur quel type de base vous avez dans Azure, quel niveau de DTU si vous êtes sur des DTU. Il y a toujours des petites subtilités, mais globalement, ça marche bien. Voilà. Ouais, c'est impressionnant. Derrière le moteur magique, il y a peut-être un petit peu de compute, mais je crois qu'on en reparlera tout à l'heure avec la polémique et avec notre invité. C'est vrai qu'on a oublié de dire qu'on a une invitée qui arrivera tout à l'heure en fin d'émission. On lui posera plein de questions et notamment, pourquoi pas, on dérivera un petit peu là-dessus. On a le temps de se faire un petit peu de news, la quick and dirty sur des choses qui sont arrivées. Guillaume, je crois que toi, il y avait un truc qui te plaisait bien là sur les, alors moi j'appelle ça les dynamic subscription ou les data driven subscription, mais globalement l'abonnement à des rapports. Tu peux nous en dire deux mots sur ce qui t'a bien plu? Ouais, c'est quelque chose qui est sorti là avec la version de mars. Parce qu'on pense toujours quand on dit version Power BI mars, c'est desktop. Non, il y a plein de choses qui se passent aussi du côté service, mobile, etc. Et puis il y en a une qui a retenu mon attention. Alors, elle peut paraître un petit peu anecdotique, mais moi je la trouve sympathique. Au quotidien, c'est quoi? Vous savez qu'on a cette option dans Power BI
de s'abonner à un rapport. C'est-à-dire qu'on pourrait choisir que tous les lundis, à telle heure, telle personne reçoive tel rapport, telle copie, tel lien. Ce mois-ci, ils ont sorti via le OneDrive SharePoint, peu importe le petit nom technique qui est derrière, la possibilité maintenant, au lieu de s'envoyer un mail, de générer un truc en PDF en fonction de vos abonnements, de vos licences, etc. aussi, attention, et ben maintenant, on pourrait venir, entre guillemets, venir glisser, déposer directement via l'abonnement, il va gérer ça, directement dans un emplacement OneDrive ou SharePoint, et bien cette sortie d'abonnement, donc la capture, le PDF, le Word que vous y mettez en fonction de vos paramètres, etc. Moi, je trouve ça juste colossal parce que, un, ça ne pollue pas nos boîtes mail. Deux, on est encore dans une automatisation. N'oubliez pas que derrière, vu qu'on a un OneDrive, on peut aussi générer de l'auto-recovery, etc., qu'on appelle ça de l'archivage automatique, etc. Enfin, ça engendre pas mal de choses derrière qui, pour moi, que d'un point de vue métier, je trouve ça plutôt une bonne nouvelle. Alors, ce n'est pas la révolution du siècle, mais ça peut, dans certains cas de figure, j'ai des clients en tête qui pourraient ne pas polluer les boîtes mail et puis encore faire un truc encore plus automatisé, encore plus fluide. Ouais, c'est sympa, c'est un quick and dirty, voilà. Ouais, alors c'était une fonctionnalité qui était dans SAS. D'ailleurs, ouais. On rappelle, il y a eu un meet-up qui a été fait par l'équipe de Lyon avec un invité, Charles-Louis Sauger, sur l'envoi des emails. Donc, allez le voir si vous voulez savoir comment ça marche. Mais en effet, c'est une très, très belle extension. Moi, j'ai une remarque, je me permets, à l'époque où on faisait ça avec des outils comme Reporting Services, moi, je me souviens que j'avais à chaque fois le réflexe d'expliquer aux gens qui voulaient mettre ça en place, de dire que c'était peut-être mieux d'implémenter l'historisation dans le modèle et d'avoir les filtres et la navigation qui permettaient, sans avoir à générer le snapshot, de pouvoir faire ça. Par contre, ça a un coût plus important puisqu'il faut complexifier ouais. son modèle. Mais bon, moi, je suis fan aussi. Toi, Tristan, tu as des cas d'usage où cette fonctionnalité... Je ne l'ai pas testé moi-même, donc je comprends l'idée. Il faudrait que je regarde, mais je pense que c'est pas mal. Ouais, c'est... Oui, c'est intéressant. Yes. Justement, tiens, restons avec toi, Tristan. Tu avais, toi, un truc, on sait que tu aimes beaucoup la carto. Tu as fait beaucoup de rapports avec ça il y a quelques temps. Tu as spoté une petite news là autour d'Azure Maps, qui est du mois de mars ou qui est du mois d'avant, je sais plus. Le premier rapport de ma vie, c'était de la carto sur les élections présidentielle en France. J'ai un rapport particulier avec la carto dans Power BI. Grâce à ça, tu as été embauché direct dans une super boîte, je crois. Non Effectivement. Alors, je vais te prendre... Il y a deux choses dont j'aimerais parler. Je vais faire 15 secondes sur chacune. Donc, il y a effectivement la carto avec Azure Maps qui est fortement poussée par Microsoft pour devenir le visuel de carto de référence en natif dans Power BI Desktop. Donc, maintenant, on peut intégrer des shapefiles. Donc, ça, c'est intéressant. Et il y a aussi un autre truc qui n'est pas dans le quick and dirty, là, mais qu'on n'a pas détaillé, Jean-Pierre, on l'avait mis dans la préparation du meet-up, c'est les calculs visuels qui sont disponibles dans le service Power BI. Ça, c'est vachement intéressant, le fait de pouvoir créer des calculs visuels. On vous a fait une démo le mois précédent sur le desktop en tant que créateur. Il faut toujours être créateur. Côté service, on peut créer des calculs visuels directement sans Power BI Desktop. Donc, ça prouve qu'on commence à avoir le DAX qui arrive massivement dans le portail Power BI web / Fabric. J'ai une petite requête à faire à Microsoft. Si on pouvait carrément pousser la création de ces calculs visuels pour l'utilisateur final, le consommateur du rapport, en lui donnant les bons niveaux de droit, pour qu'il puisse en self-service BI se créer des petits calculs ad hoc en database. Pour l'instant, ce n'est pas dispo. Ça serait génial. Moi, j'ai un cas en ce moment chez un client, ça serait super. Good. Bah, de toute façon, c'est assez nouveau et on l'a suffisamment montré dans les émissions que quand il y a quelque chose qui arrive, pendant plusieurs mois, on a des réplicas où en fait, on le voit évoluer, on voit apparaître les éléments. Donc, je ne sais pas si Microsoft nous écoute, sait-on jamais, on verra. Peut-être que d'ici la fin de l'émission, on va avoir un feedback en live. Nous verrons bien. Moi, j'avais une petite news que je voulais partager. Je ne sais pas si vous trouvez ça intéressant. Alors, c'est dans l'interprétation, en tout cas la seconde lecture de la news. Il y a eu un petit post sur le fait que Power Query était disponible dans Report Builder. On peut se dire Report Builder, déjà rapport paginé. C'est vrai qu'on en fait moins. On est quand même beaucoup dans du rapport dynamique et interactif avec Power BI. Mais c'est toujours une population ou un type de rapport dont on a besoin. Et c'est vrai qu'il fallait faire le dataset à côté. Il fallait se brancher dessus. Maintenant, on a directement Power Query dedans. À l'ailleurs, ce n'est pas forcément ça que je trouve la news parce que je ne trouvais pas que c'était un bloqueur, mais c'était de voir quand on voit les screenshots de l'article de blog qui nous décrit ça,
on voit vraiment l'interface web de Power Query, mais sauf qu'elle est intégrée directement dans Report Builder, qui est une application Windows. Donc moi, je trouve ça intéressant de se dire que, on a parlé plein de fois depuis ces trois dernières années, voire même avant, de se dire quand est-ce qu'il y aura un Power Query ou un DAX totalement en mode web. Bah, on voit que la parité, bah, elle arrive de plus en plus, puisqu'en fait, une application client lourd qui est Report Builder, intègre le Power Query qu'on peut trouver online dans les data flows, par exemple. Je trouvais ça assez intéressant d'avoir cette double lecture de comment ils ont implémenté Power Query dans Report Builder. Vous en faites des rapports paginés, vous ? Ouais, c'est à la marge. C'est à la marge. On va dire que t'en fais pas. Hein. Non, c'est à la marge. Non, mais c'est à la marge. J'en ai peut-être fait quelques-uns, mais c'est vraiment à la marge. Moi, j'ai dans ma to-do depuis le premier confinement, donc il y a 4 ans, de me former personnellement sur ce sujet, parce que j'ai envie de dire, malheureusement, il y a encore beaucoup de besoins clients qui sont liés à ça. Mais moi, personnellement, non, j'en fais pas. Je ne suis jamais vraiment monté en compétence sur le sujet. Bon, n'hésitez pas, pour tous ceux qui nous regardent sur YouTube, LinkedIn ou X, Twitter, si jamais vous en faites massivement, vous nous contactez, on sera ravis de faire un petit Rex là-dessus. Moi, je propose qu'on passe, et puis on verra si on a un peu de temps, on a encore des news qu'on pourrait faire, mais qu'on passe à la polémique, la fameuse polémique. T'es prêt pour le jingle ? Oui, c'est parti. Alors, sur la polémique, moi, je vais juste faire l'introduction et après, messieurs, lâchez-vous. Hein, on est là pour parler. Donc, en fait, il y a eu cette petite annonce. Non, parce que ça fait quand même du 14 mars. C'est pas sorti avec les annonces. Et ça commence par Important Update Coming for BI Licensing. On a un titre qui finalement a fait du bruit directement. Alors, c'est vrai, ça fait du bruit pendant quelques jours. Mais j'en entends beaucoup moins parler, en tout cas sur les réseaux. Alors, de quoi il s'agit? Ben, tout simplement, vous avez cette petite phrase, Power BI Premium Capability, new customers will not be able to purchase Power BI Premium per capacity après le 1er juillet. Donc, en gros, le message est assez clair. Il n'y a plus Power BI Premium. Maintenant, comment on peut faire? Évidemment, l'objectif de Microsoft, vous savez qu'il y a Fabric, Superset à Power BI. Donc, l'idée, c'est évidemment, si ça veut bien... L'objectif, c'est bien évidemment de passer de votre Premium Capacity à du Fabric Capacity. Et on voit à premier abord, parce que vous me direz ce que vous avez eu des échos avec des clients, avec des fournisseurs, avec des collègues. Mais moi, par exemple, tout le monde m'a dit, oh mon Dieu, Microsoft, ils augmentent leur prix, tout va être plus cher, machin. Et puis en plus, ils nous forcent et on est obligé, machin, etc. J'ai ouvert tout simplement la page du pricing. Hein. Là, je vous ai juste fait un screenshot. Bon, OK, ouais, c'est plus cher. C'est plus cher de 7$. Donc pour moi, c'est le même prix. Mais le diable est dans les détails. Mais avant qu'on rentre peut-être dans les détails, Tristan et Guillaume, vous déjà, comment vous interprétez cette news là? Est-ce que c'est Guillaume, la fin de Guillaume, BI, vas-y, je te laisse répondre, je compléterai. Ouais, merci Tristan. Pour moi, je vois ça d'un bon œil. Alors, au-delà de l'augmentation de l'inflation, tout ce que je m'en fous, c'est même pas la discussion. Moi, je vois ça, c'est que en fait, on a un nouveau produit. Il devient logique qu'on ait une nouvelle tarification et une nouvelle façon de tarifer. Aujourd'hui, on ne peut pas faire cohabiter du premium, du F, du bazar. Déjà qu'à la base, ce n'est pas forcément simple. Quand on a un PPU, un Premium, un Pro, un Free. Donc là, on commence à avoir une multitude de licensing. Pour moi, ça va dans le bon sens. Oui, OK, on prend 7$ ouais, sur un truc à 5000 balles. Je ne sais pas si c'est perceptible. Et franchement, objectivement, je pense qu'en plus du fait, je ne veux pas spoiler le truc, mais on peut difficilement comparer un P avec un F parce qu'il y a des choses qui se rajoutent, des choses qui sont différentes. On va certainement en reparler. Pour moi, en synthèse, ça va dans le bon sens. C'est logique. Et ça va dans l'esprit de l'outil de se dire on réuniformise, on revient à un seul et même endroit et tout revient logique. Enfin voilà, pour moi, c'est complètement normal. On ne parle pas du prix là. Hein. Ouais, ouais. Ouais. J'ai bien compris, c'était plutôt clair. Tristan, toi, ta lecture de la news, hein, c'est la même que Guillaume ou tu as une. Il y a deux news dans la news. La première news, c'est que Microsoft veut pousser Fabric, mais ça, on le savait déjà et ils ont raison. Donc là-dessus, il n'y a pas de surprise et pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Et par rapport au pricing, en fait, si on prend un peu de recul, pour 7$ par mois, donc en gros un sandwich, quoi, on passe d'une plateforme qui permettait de faire de la modélisation et des rapports à une plateforme data complète, end-to-end. Moi, je suis limite surpris que la différence de prix soit aussi faible au final. Parce qu'il y a clairement, on ne joue pas dans la même cour, quoi. Fabric vise à aider les clients à gérer toute la chaîne de la data, y compris l'extraction des données, la base de données. Enfin, voilà, on ne va pas revenir sur tout ce que fait Fabric. Là où Premium était quand même très concentré sur le front, c'est-à-dire le modèle, la data vise et le partage. Voilà, c'est mon avis. Donc, en fait, une plateforme de données en plus pour le prix d'un thon mayonnaise, quoi. Voilà. On pourrait presque. Je suis sûr que si on faisait une vidéo YouTube ou un article sur LinkedIn là-dessus, on ferait un buzz avec ce titre, Jean-Pierre, monumental. C'est clair. Une plateforme data au prix d'un thon mayonnaise. Ça ferait un super titre de. On devrait à chaque fois remettre le titre de l'émission a posteriori avec une punchline qui a été sortie. Alors, moi, j'essaie de creuser en discutant avec des collègues sur lesquels on n'était pas forcément d'accord. Sur l'augmentation, je dis, mais je comprends pas comment tu peux dire ça. Et en fait, le diable est dans les détails. Parce que, en fait, si on regarde, et d'ailleurs, il y a certains membres là du Club Power BI, on a notre groupe de discussion et certains l'ont remonté. Le diable est dans les détails parce qu'en fait, ça dépend de la région où on est. Et en effet, sur les deux régions, on va dire, mainstream où on a les éléments, je crois que je les ai quelque part dans mes notes. Donc, East-US globalement et North Europe. En effet, il y a quasiment pas d'écart, hein, ou quelques centaines de dollars d'écart sur North Europe. Par contre, il y a des régions où là, pour le coup, on est sur un écart assez important. Et donc, je me suis amusé à regarder toutes les régions. À votre avis, quelle est la région où le F64 de Fabric, donc l'équivalent d'un P1, est le plus cher? Aucune idée. Je crois que c'est une région qui aime bien le foot, je crois. Non, Lance? Ouais. Et ben c'est le Brésil. Un F64 en région Brésil, c'est 7 800 $. Donc là, pour le coup, on a 50% d'augmentation par rapport à une P1. Malheureusement, et j'ai pas réussi à avoir l'information à temps. Hein, les sales de chez Microsoft répondent pas très vite. Il se reconnaîtra puisqu'il doit nous suivre. J'ai pas réussi à avoir le prix d'une P1 parce que le problème c'est que le prix des P1 n'est pas. Alors, il y a le prix public de 4 995 $ par mois, mais je ne sais pas si ce prix est différent en fonction des régions. Donc, ça se trouve, la P1 au Brésil est peut-être un petit peu différente. Donc, en fait, je ne sais même pas dire. Ça se trouve, au Brésil, il y a pareil, il n'y a que 100 $ de... Jean-Pierre, pour nos auditeurs, tu sais pourquoi cette telle différence? C'est quoi? C'est structurel? C'est la monnaie? C'est un coût de conversion? C'est quoi? L'électricité. Alors, ouais, enfin... Les data centers, quoi qu'on en dise, le cloud, hein, c'est des ordinateurs, du réseau, ouais. Du stockage, des gens qui viennent raquer des serveurs et qui viennent les changer quand ils sont quand ils sont cassés. Et bah, tu as tout un tas de coûts. Je ne pense pas que ce soit la main d'œuvre qui fasse ce prix-là, mais il y a peut-être aussi. Et là, on va être en spéculation et on ne va pas aller beaucoup plus loin. Mais la sécurisation du data center, dans quelle zone il est, est-ce que l'assurance, tu vois, si en zone. Messieurs, si ça se trouve, on va avoir quelqu'un. Je dis ça au hasard, hein, mais si ça se trouve, on va avoir quelqu'un d'ici la fin de l'émission à qui on pourra peut-être poser la question, figurez-vous. Exact. Bah, t'as raison. D'ailleurs, je vois que ça s'impatiente en coulisses. Yes. Juste avant, justement, qu'on passe à cette séquence de l'invité, moi, je voulais rebondir sur ce que tu as dit, Tristan, et même aussi ce que tu disais, Guillaume. J'aime bien donc ton idée, Guillaume, d'uniformisation. C'est qu'il y a un moment, parce qu'on aime bien taper sur Microsoft et dire ah, là, c'est compliqué, c'est cher, c'est machin, etc. Ben là, finalement, alors. Je sais que c'est pas le sujet de l'émission, mais on prépare côté Club Fabric un spécial FinOps et je pense qu'on fera la même chose. On essaiera de refaire la même chose côté Club Power BI. Mais tu as raison, Guillaume, il y a une certaine forme d'uniformisation et ça, c'est bien. C'est forcément bien. On est, voilà, au passage, on perd peut-être 7$, mais c'est plutôt pas mal. Et franchement, j'aime bien si on compare à la complexité du licensing Power Platform, on est quand même pas mal loti côté Power BI Fabric. Hein. Ouais, exactement. Voire pire, Dynamics. pardon, j'ai rien dit. Et Tristan, j'aime bien ton analyse sur le fait qu'on en a beaucoup plus. C'est-à-dire que c'est ça le truc, c'est que OK, au passage, on arrive, on a peut-être ces 7$, 100$, etc. en plus, mais on en a beaucoup plus.
Néanmoins, moi, j'ai une petite remarque, mais je pense que l'avenir nous le dira et ça sera vraiment à l'usage. C'est qu'au final, et c'est pour ça que je fais le petit parallèle avec par exemple le mirroring ou des choses comme ça, c'est que le mode de consommation qu'on va avoir, tout coûte de l'argent. On va avoir ces fameuses computes qui vont arriver, qui vont prendre sur la capacité. Et finalement, est-ce que en jouant, je prends l'exemple, il fallait que tu parles un peu de copilote. Exemple, vous faites une requête copilote, boum, ça va bouffer du compute. Donc, est-ce que finalement, au final, c'est le même prix, ça simplifie, mais on va être obligé un petit peu d'augmenter la bande passante parce qu'on va faire plus de choses, tu vois. Ouais, mais il faut comparer ce qui est comparable. Nous, en ce moment, on est en train d'étudier ça, évidemment, les coûts, notamment en PME, ETI, où on est à 300, 200 euros par mois près sur sa plateforme data, hein, clairement. Je suis d'accord avec toi, mais il faut aussi considérer un autre coût dont tu ne parles pas. C'est sans fabrique, bah, tu as un coût ETL et base de données. Il ne faut pas l'oublier, ça aussi. Donc, quelque part, si on compare les prix, il faut comparer à architecture et feature exactement similaires, quoi. Comme à une époque, les anti-cloud ou les réfractaires au cloud... Oubliez de compter qu'un data center, ben en fait, il y a la sécurité, l'assurance, l'électricité, le refroidissement, la maintenance physique. Donc, c'est facile de dire mon data center me coûte moins cher parce que j'ai été acheter mon disque dur chez LDLC, là, rue Daumesnil, de la vraie complexité qu'on peut avoir sur un data center. Bon, en tout cas, un beau sujet. Est-ce que c'est une polémique ou pas? Moi, je l'accueille bien. Guillaume, tu semblais bien l'accueillir. Oui, je pense que c'est pas une polémique. Tristan aussi. Donc moi, je pense que c'est bien. Ce qu'on a oublié de dire, juste 30 secondes, ouais. C'est qu'on ne pourra plus acheter de premium au 1er juillet. Mais par contre, Microsoft laisse du temps aux clients qui sont actuellement sur des licences. Ouais, alors déjà, ceux qui ont du pay, ils peuvent faire du fabric gratuitement, entre guillemets. Hein, on peut faire du fabric sur du pay. Et en plus, Microsoft va laisser du temps pour faire la transition. Donc, Est-ce que oui, mais tu as raison de bien le rappeler. Je vais même réenfoncer le clou. Si vous avez un contrat et que vous êtes engagé sur les 5 prochaines années, évidemment, ça ne change rien pour vous. On est bien d'accord. Donc, maintenant, est-ce que le message que tu veux nous faire passer, Tristan, c'est pas de dire, messieurs les utilisateurs, ou en tout cas les consommateurs qui achètent les premiums, c'est peut-être le bon moment avant le 1er juillet d'acheter vos capacités parce que vous avez un an ou je sais pas de combien sont les contrats, mais globalement ils sont de un an au minimum. Vous serez un an sur l'ancien prix ou en tout cas la capacité. Tu dis un petit peu ça ou joker? Ouais, joker. Ouais, ben on va dire joker. Après, hein, les gens font leur propre avis. Moi, je propose, on est dans les temps, il nous reste une 12 minutes. Est-ce que ça ne serait pas le moment de faire rentrer notre invité spécial pour cette émission? Bonjour, Émilie. Bonjour, Émilie. Alors, je m'aperçois, personne n'a prévu la bannière pour Émilie, donc on va quand même… Je vais la faire pendant que tu présentes Émilie, je vais m'en occuper, je ne sais pas. C'est Tristan qui Alors, vas-y, Émilie, est-ce que tu peux te présenter à notre communauté Power BI, qui te connaît peut-être déjà pour certains, mais… Tout à fait. Bah, écoutez, ravie de faire partie de l'émission. Donc, du coup, Émilie Beau, moi, je suis employée chez Microsoft France depuis une quinzaine d'années. Et ça fait une dizaine d'années que je travaille sur les technologies data et intelligence artificielle de Microsoft. Et notamment, comme Jean-Pierre, hein, j'ai suivi toute l'évolution de Power BI depuis son tout début, quand on avait des carousels de Power View sur du SharePoint, par-dessus des add-ins Excel, tout ça, toute l'histoire. Et aujourd'hui, je travaille plus particulièrement dans ce qu'on appelle le Centre des Innovations, qui est un lieu particulier chez Microsoft, où on reçoit nos clients et où on les accompagne pour mettre en face de leurs problématiques métiers les bonnes technologies. Microsoft et notamment celles autour de la data. Donc, mon rôle, c'est surtout d'associer en mode cross-solution, donc associer des solutions pure data comme Power BI Fabric avec d'autres solutions de l'écosystème Microsoft comme la Power Platform, comme les outils d'IA, Azure OpenAI, Azure Machine Learning, ce genre de choses. Donc, faire vraiment des architectures bout en bout pour répondre aux besoins des clients. Top, très intéressant. Je pense que certains découvrent ce métier et cette équipe chez Microsoft et c'est super d'avoir...
Microsoft, enfin, l'éditeur qui peut accompagner sur des sujets comme ça. On avait quelques petites questions à te poser, Guillaume et Jean-Pierre, n'hésitez pas à intervenir. Là, on sort d'une semaine communautaire assez riche et intense data Microsoft avec la Fabric Community Conference qui a eu lieu à Vegas. Je crois qu'il y a encore aujourd'hui et demain d'ailleurs. Demain, il y a les post-conf et aujourd'hui, c'est la dernière journée de conférence. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, dans les annonces? Alors, surtout sous un angle, on va dire, pour un utilisateur Power BI plutôt. Qu'est-ce qui t'a marqué? Que retenir de cette conférence? Alors, moi qui, comme certains dans la communauté, suivent Power BI depuis longtemps, c'est vrai que moi, je suis plus sensible aux petites améliorations du quotidien, des petites choses qui vont justement nous simplifier des petites actions qu'on a du mal à faire et des choses sur lesquelles on a voté plusieurs fois pour que le groupe produit puisse les mettre en avant. Mais si je prends un peu de hauteur, en fait, je trouve que cette conférence, c'était une belle occasion de... Alors, bien sûr, on est assez... On n'a pas pu tous y participer physiquement, mais même de montrer, d'illustrer le fait de rassembler des populations qui sont les populations à l'origine qui travaillent sur Power BI et des populations qui travaillent sur d'autres briques, justement de data intégration, de machine learning, de traitement de données en SQL, de data warehousing, etc. Et finalement, l'idée, c'était de se dire, regardez, on fournit Fabric aujourd'hui, qui est une plateforme end-to-end et qui va venir rassembler ces populations. Et en fait, finalement, le deuxième pilier de Fabric, c'est de fournir un environnement qui est accessible pour les citizen analystes, qui sont beaucoup parmi justement les utilisateurs de Power BI. Hein. Il y a différents niveaux d'utilisation de Power BI, mais on a beaucoup de citizen analystes. Et c'est de dire, on a vu toutes vos compétences sur Power BI, on vous ouvre un champ des possibles avec des interfaces visuelles qui sont adaptées pour vous, pour faire des requêtes SQL, pour faire des requêtes en Python. On vous fournit du copilot aussi pour vous aider justement à étendre vos compétences et à travailler mieux en collaboration justement avec les équipes qui, elles, sont des experts du Python, des experts du SQL, etc. Et donc, finalement, je trouve ça super intéressant de rassembler physiquement aussi ces personnes autour d'une conférence commune. Super. Et dernier point que je trouve intéressant aussi, c'est le fait... Alors déjà, c'est intéressant même pour des utilisateurs qui sont très focus pour BI de s'ouvrir un peu à tout ce qu'on sort autour de Fabric, parce qu'il y a des fonctionnalités comme le mirroring qui vont grandement bénéficier aux utilisateurs, aux consommateurs des modèles sémantiques. Et surtout, ça permet aussi j'en suis super contente, de montrer vraiment que Microsoft remet le modèle sémantique au centre de la data platform, là où on commençait à avoir plein d'architectures, plein de façons de mener à bien un projet data. Là, finalement, on assoit au travers de Fabric le fait que pour nous, le modèle sémantique reste finalement une brique fondamentale dans un projet d'analyse de données et notamment de BI. Et je trouve que c'est bien ressorti sur les différentes interventions de la conférence. Ah, super, ça donne envie d'y aller. L'an prochain, on se fera un live tous ensemble depuis Vegas. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? Ça va être sympa. Hein. Ouais, nickel. Je signe. Jean-Pierre et Guillaume, vous avez des choses à rajouter? Une petite question pour Amy qui n'était pas prévue, mais je vois il y a une roadmap qui existe sur Fabric et Power BI dans les semaines, les mois, et voire même l'année qui arrive. Sans en dévoiler des secrets industriels ou je ne sais quoi d'autre, c'est quoi là, dans la roadmap qui est prévue, qui est officielle, qui est publique, qui devrait être marquante là avant l'été? Est-ce qu'il y a un truc qui va arriver, qui est prévu et qui est annoncé et qui va arriver sous peu? Le truc qui va être marquant, c'est quoi selon toi? S'il y en a une. Hein. Alors moi, il y a un truc qu'on attend beaucoup, on sait que ça va arriver, c'est déjà en preview, c'est le copilote sur les tables du Lakehouse. Donc en fait, là, ça sera même plus un plugin en mode ChatGPT. Donc là, du coup, on a aujourd'hui la possibilité d'avoir des copilotes pour créer
des rapports pour visualiser nos données. Et on va avoir, d'ici quelques semaines, la possibilité de créer un chatbot qui va nous permettre de poser des questions en langage naturel sur les tables en Delta Parquet qui seront dans Fabrique. Et ça, ça va être une innovation assez incroyable parce qu'aujourd'hui, c'est des projets qui sont assez complexes à mettre en place quand on utilise d'autres briques d'Azure, notamment Azure OpenAI, ChatGPT, tout ça. Donc, c'est possible, mais c'est compliqué. Alors que là, on aura quelque chose qui, en trois clics, permettra à un data analyst dans l'équipe marketing de créer un petit chatbot pour une communauté qui travaille autour du marketing et pour leur permettre, via Teams, de pouvoir poser leurs questions et de transformer ça en requêtes qui vont aller chercher la réponse dans les modèles sémantiques et dans les tables du Lakehouse ou du Data Warehouse de Fabrique. Avec un F64. Ça, on n'a pas encore les détails. Ah, j'imagine. Mais... Ok, non, c'est vraiment canon. C'est impressionnant. Et ça marchera aussi bien que Copilot dans Power Query qui hallucine totalement ou Écoute, en tout cas, ce qu'on envoie nous en interne, c'est plutôt prometteur. Ouais. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait ça dans la roadmap, donc j'apprends quelque chose. Ok. Top. Émilie, on avait une autre question pour toi. Là, on discutait juste avant de te faire apparaître comme par magie dans la vidéo. Sur cette histoire de passage de P à F, est-ce que tu peux nous donner un peu ton regard de l'éditeur, justement, sur le choix, le pourquoi, le comment? Voilà, on débattait de ça avec Jean-Pierre et Guillaume tout à l'heure. Oui, tout à fait. Alors déjà, je pense que il y a trois dates, effectivement, qui sont marquantes et à retenir. Donc, il y a effectivement le fait qu'on ait communiqué le 14 mars officiellement sur, au travers donc, d'un blog post et d'une documentation, sur le fait qu'effectivement, et Guillaume l'a bien dit, hein, on a un objectif de consolidation des options de souscription à Power BI et à Fabrique. Donc, c'est vrai que le licensing, ça pouvait paraître un peu complexe déjà dans Power BI parce qu'il y avait la version pro, le premium per user, etc. Et là, on venait rajouter une complexité avec Fabrique. Et de toute façon, à la fois pour montrer que maintenant, Power BI devient une brique à part entière d'une data plateforme plus globale qui est Fabrique et pour simplifier justement la façon dont on va pouvoir consommer l'ensemble de ces services, c'était important d'avoir une tarification qui soit consolidée et notamment parce que ça va simplifier aussi la façon dont, j'en parlais tout à l'heure, ces analystes ou ces citizen analysts qui travaillent aujourd'hui sur Power BI et qui souhaiteraient pouvoir justement développer leurs compétences sur d'autres outils puissent le faire sans avoir besoin d'avoir une souscription différente, etc. Donc, vraiment, l'idée, c'est d'être sans couture. Je fais du Power BI, mais avec la même licence, je vais pouvoir aussi consommer d'autres types de services dans Fabrique. Donc, ça, c'est le premier point. Après, vous en avez parlé, effectivement, à partir du 1er juillet 2024, donc on ne pourra plus... Enfin, les nouveaux clients ne pourront plus acheter des licences premium. Donc, ça, c'est important à garder en tête. Et à partir du 1er janvier 2025, donc ça, c'est la dernière date à retenir, les clients qui seront en fin de contrat, pour les clients qui ont un contrat pour un BI premium, devront travailler avec leur équipe commerciale pour pouvoir faire un renouvellement, du coup, sur des licences Fabrique. Donc, effectivement, il y a ces trois dates à retenir. Et ensuite, je pense qu'il faut aussi avoir en tête les bénéfices que vont nous apporter, justement, ces licences fabriques consolidées. Notamment, il y a le pay-as-you-go qui va permettre de faire du scale-up, scale-down de manière dynamique et de mettre la capacité en pause. Donc, en fait, on va avoir cette option qui va permettre librement de pouvoir... consommer que lorsqu'on en a besoin certaines capacités. Et à côté de ça, on va avoir une possibilité de réserver du crédit sur Fabrique sur un an et là, d'avoir des prix plus attractifs. Donc ça, c'est déjà deux façons qui seront accessibles pour pouvoir consommer du coup du Fabrique. On va pas forcément rentrer dans les détails du licensing, mais on a des clients qui ont des contrats spécifiques sur Azure et du coup, on va pouvoir consommer via ces contrats
la consommation des capacités fabriques. Mais le plus important, je pense, c'est le fait qu'on va pouvoir démarrer avec des niveaux de licensing qui seront plus faibles, donc plus accessibles, notamment pour les sociétés un peu plus petites. Et du coup, je sais que Tristan, tu es fervent défendeur de nos clients, justement, qui ont du mal parfois à pouvoir accéder à une capacité premium. Et ben là, finalement, alors ils n'auront pas forcément accès à toutes les fonctionnalités, hein, vous en aviez parlé sur un précédent épisode, le fait que du Copilot aujourd'hui n'est disponible qu'en F64, mais malgré tout, à partir d'une F2, qui est beaucoup plus accessible, on va pouvoir déjà profiter de la quasi-totalité des fonctionnalités de Fabrique. Donc ça reste une option hyper intéressante. En phase. Très bien. Je crois qu'on a une question dans le... Merci, Émilie, pour tes retours. On a une question là dans le chat. Oui. Je l'ai mis. C'est bon. Oui. Mais comment vont faire les entreprises qui ne sont intéressées que par Power BI et qui ont déjà des stacks ETL, Dataware externes, donc Google, Databricks, BigQuery, SSIS. Alors, faut bien comprendre que ce changement de licensing ne va pas obliger les clients à utiliser justement l'ensemble de la stack Fabric. L'idée, c'est que Power BI donc, rentre dans la grande famille des outils de Fabric, mais parmi tous les outils de Fabric, on va pouvoir tout à fait ne consommer que la partie Power BI. Donc, en aucun cas, on ne force les clients sur la partie usage. Le deuxième point, c'est que on va pouvoir effectivement à partir de là, comme je le disais, travailler en mode plus pay as you go. Dans ce cas-là, on aura la possibilité d'agencer en fait les coûts en fonction des moments d'utilisation de la partie Power BI, parce qu'il y a ça aussi finalement quand on a des couches ETL qui sont complètement indépendantes. On n'a pas forcément besoin d'avoir des rafraîchissements de ces rapports toute la journée, tous les jours de la semaine. Donc, du coup, on va pouvoir aussi adapter les moments où on a besoin de capacité fabrique, Power BI dans fabrique, et pouvoir arranger les fenêtres d'accès sur la semaine, sur la journée, sur l'heure, avec le mode pay as you go. Vas-y. Non, je disais le pay as you go, hein, donc si vous n'êtes pas familier avec des choses qu'on a sur Azure, c'est on ne paye que ce qu'on utilise. Donc, finalement, la meilleure réponse pour Relax 33, c'est que l'utilisez pas, vous ne le paierez pas. C'est aussi simple que ça, en fait. C'est ce que je voulais dire, en fait, Jean-Pierre, par rapport à Emilie aussi, c'est on est d'accord qu'on fera du pay as you go, mais on paiera le même prix qu'on utilise une, deux ou trois briques. C'est juste la durée d'utilisation qui va être différente, ou en tout cas le nombre qu'on doit. Enfin, est-ce que c'est clair? C'est bien ça. Hein. Quand on utilise un ou trois, on paiera toujours le même montant au final en pay as you go. Alors, c'est là où ça on rentre un peu plus dans les. Ouais, on sent un peu compliqué, mais. On ouvre le capot de fabrique en fonction. En fait, il y a différents moteurs dans fabrique. Et du coup, les coûts de requête de chacun des moteurs ne vont pas consommer exactement le même nombre de CU. Mais finalement, ce que vous consommiez sur un Power BI va représenter exactement la même chose que ce que vous consommerez dans Fabric. Là, il n'y aura aucun changement. Guillaume, je pense que ta question est un excellent teaser pour le prochain meet-up du Club Fabric dans quelques jours, où on abordera le sujet licensing Fabric et du coup le corollaire qui est la consommation des CU. De manière plus détaillée. Voilà. Très bien, c'est parfait. C'est une super transition qu'on n'avait absolument pas préparée. Super. Moi, ce que je propose, parce que en fait, à chaque fois, on a cette promesse de faire quand même en moins d'une heure cette émission sur les nouveautés. Moi, je te remercie, Émilie, d'être venue témoigner en sachant que tu savais quelle polémique on allait avoir sur les licences. Donc, tu as pris quand même le risque de te retrouver avec nous trois. Merci Tristan, merci Guillaume, et moi je propose qu'on se retrouve le mois prochain pour les nouveautés Power BI du mois d'avril. Ciao, ciao. Ciao. Salut.